Allez, petit passage obligatoire sur le pont romain de Jaujac, puisque vous irez vous ravitailler et passer donc au point de contrôle de l'autre côté du pont. Méfiez-vous, petite zone aller-retour sur le pont, mais obligatoire pour le contrôle, j'insiste bien là-dessus. Donc c'était pour se simplifier au niveau du ravitaillement. Le village met tout en œuvre pour vous accueillir. Il nous paraissait indispensable donc de passer dans le cœur du village pour les remercier pour leur engagement. Donc ravito au niveau du centre de Jaujac. On viendra badger la puce et après retour sur le pont romain. Allez, on va s'apprécier au niveau de la fontaine. Allez, après le ravito et le point de contrôle, j'insiste bien dessus, indispensable, retour sur le pont romain. On vous attend donc une belle ascension que nous allons vous faire partager. Allez, nous aussi on a rechargé un petit peu les batteries. Un petit coup de barre d'Ergisport version fruits rouges ou abricots de notre partenaire en titre. Un petit coup de boisson et c'est parti pour l'ascension. Alors que vous découvrez la falaise et les orgues du Lignon, la rivière qui se situe juste en bas sur votre droite. Donc après avoir longé la rivière, pensez à bien tourner sur la droite, suivez bien le balisage, et puis là c'est parti, une portion très roulante en terre, donc là vous allez vraiment vous régaler. Donc les orgues qui sont ni plus ni moins que la coulée basaltique du volcan de Jaujac, très connu avec sa source ferrugineuse. Allez, une fois arrivé sur la plage, c'est parti sur les pavés. Petit single, donc bien pavé, assez technique, et c'est parti. Je crois que notre Lulu mène le train. C'est parti pour l'ascension, on y est. C'est parti. Contemplez un petit peu le pont romain sur la droite, le pont du Flyer que nous allons vous faire découvrir. Allez, après avoir franchi le pont romain, c'est parti dans les marches le long du rocher. Une grande première pour moi aussi. Je cours beaucoup sur le versant Trail Montpezat-Mayre, donc première partie du parcours. Mais versant Jaujac, je découvre avec vous. Je crois que j'ai trouvé des nouveaux terrains de jeu. Ah, c'est l'ascension dans les pavés. Le sentier est tout tracé. Que du régal. Chemin très propre. Les accroches sont très bonnes. Les appuis fermes, bref. Une belle petite ascension qui vous attend là. Ah, une fois sur la route, c'est juste en face que ça se passe. Petite marche sur le rocher. Et on continue les pavés. Sur votre droite, vous allez avoir la table d'orientation. Donc pour les plus curieux, profitez-en pour découvrir un petit peu notre région. Et les plus sportifs, ceux qui jouent la gagne, c'est par ici que ça se passe. Vous allez longer la muraille sur une portion qui est plus du tout pavé, single, avec pas mal de sable, c'est parti. Allez, sous les chaînes, c'est le retour des portions pavées. Ce n'est pas le Paris-Roubaix, mais franchement, une belle voie romaine. Régalez-vous. Ça monte super bien, c'est très propre. Par contre, le pourcentage se fait de plus en plus raide. Les mollets commencent à siffler un petit peu. Allez, entre les murailles, on poursuit l'ascension. Là, on commence à sortir des arbres. On a le soleil qui commence à taper par côté de façon intermittente. Petite mise en bouche pour la suite. Allez, on arrive dans le hameau. Restez bien sur le single. De magnifiques bâtisses en pierre. Un petit passage
sur le parking. Et on reprend donc toujours le long des maisons. Allez, dans l'hameau, on pense bien à tourner à gauche après le parking. Toujours une petite zone pavée. Et on continue l'ascension. Allez, on rentre à nouveau sous les bois. Et c'est parti sur le single. Toujours le long des murailles. Franchement, je suis bouche bée devant le travail qui a été fait par nos ancêtres. Contemple un petit peu ce patrimoine. Classé patrimoine mondial ardéchois. On va être un petit peu chauvin. Cocorico. Alors, le passage très roulant. Vous allez pouvoir vous refaire un petit peu la courge parce que là, dans les pavés, la première portion est assez pentue. Là, ça va faire du bien. Allez, quand vous arrivez au panneau solaire, ne vous y trompez pas. Au carrefour, c'est à droite. Donc, direction Nérac-les-Bains, La Brousse, Jaujac-Courcoussa. On gagne ce petit single sous les pins, très très roulant. Vous allez bien vous amuser. Et vous allez voir, succession de petits paliers, plutôt plats, puis petit coup de nez, puis à nouveau replat. Très très sympa. Allez, on redescend dans les châtaigniers. Portion très très roulante. On se régale. Il fait bien frais là-dessous. Impeccable. Toutes les conditions sont là. Allez, méfiez-vous un petit peu, la passage un petit peu technique. Juste en dessous de la muraille. Ça ne risque rien, mais méfiez-vous tout de même. Après cette portion de forte relance, n'arrivez quand même pas trop fort, surtout portant de pluie. Allez, petit passage au milieu des rochers, sous les châtaigniers. Toujours avec Lulu et Nana. Allez, petit passage de l'autre côté du ruisseau. Et c'est parti sur le single en face. Allez, une fois le ruisseau franchi. Single très roulant à nouveau. Et surtout, la pente est de nouveau parmi nous. Allez, c'est reparti, on poursuit l'ascension. On profite pour regarder les crêtes juste en face de nous. Les crêtes de Millet. Allez, premier passage à découvert au niveau du réservoir d'eau. Donc là, le soleil frappe très très fort aujourd'hui. Ne vous laissez pas surprendre. Surtout en pleine ascension. Allez, après le réservoir, vous allez avoir une piste très très roulante, nettement plus large. Donc pour se doubler, ce sera nettement plus facile. S'il y a un petit peu de bagarre, pensez à ce petit point stratégique de la course où là justement vous allez pouvoir vous doubler plus facilement. Allez, une fois arrivé au hameau sur le goudron, pensez à bien tourner sur la gauche. Je vais faire une petite halte juste ici pour vous faire partager le décor. Admirez. Ah, je crois qu'il y en a qui habitent au paradis. Alors qu'on devine Jaujac dans la vallée, après les 200 mètres de route goudronnée, vous arrivez au carrefour. Pensez à bien tourner sur votre gauche. C'est indiqué direction le rocher de la Denne, le fameux. Allez, nouveau tracé, nouveau décor. C'est parti sur les pavés le long de la muraille. Grosse, grosse ascension là qui débute très, très raide. Donc, première pente assez cossue. Allez, on va voir la suite. Allez, après la route, deuxième portion d'ascension à découvert. Puis là, vous rentrez sous les châtaigniers. On va trotter le long des murailles de part et d'autre. Méfiez-vous, on a l'impression qu'à chaque fois après le virage, ça va redescendre, mais bien au contraire, un autre bon petit coup de cul vous attend. Donc gardez-en sous la semelle, on est loin d'être arrivé sur les crêtes. Allez, pensez à bien vous couvrir la tête, surtout par temps chaud. Là, c'est le soleil qui tape dans le dos. Et regardez un petit peu ce qui nous attend. On continue toujours la grimpette avec le soleil dans le dos. Franchement, moi j'ai opté pour la casquette, je vois que mes compatriotes n'ont pas pris l'option.
je suis pas convaincu qu'il paye pas par la suite du parcours. Donc méfiez-vous bien, si vous craignez la chaleur, de bien prendre un petit bœuf ou une petite casquette, histoire de bien vous rafraîchir, donc la nuque, et protégez-vous. Alors que nous laissons le village de Jaujac dans notre dos, on poursuit l'ascension sur une portion un petit peu moins pentue. On va rentrer sous les châtaigniers, histoire de se rafraîchir un petit peu. On commence à transpirer. Et nous apercevons le rocher de la Denne. Le voilà. Et sur la crête, pas la première, mais la deuxième, pas celle qui est tout au fond, l'intermédiaire. C'est là où vous êtes descendu tout à l'heure pour rejoindre le village de Jaujac. Ah, franchement, on a fait une belle boucle. Et alors un petit peu ce qui nous attend maintenant, on continue le single. Allez, c'est parti! Et si vous êtes un petit peu sportif et que vous souhaitez découvrir l'Ardèche, quoi de mieux que le trail des Trois Vallées, où vous avez une vue panoramique avec au fond le col de Sainte-Marguerite, décor somptueux. Alors là, vous avez vraiment la chance, les amis. Même par forte chaleur, vous allez avoir quelques zones d'ombre avec un petit peu de vent en haut sur les hauteurs. Donc ça va vous permettre de vous rafraîchir un petit peu, profitez-en. Évitez vraiment l'insolation parce que là, je peux vous assurer que le soleil qui tape dans le dos, ça tape vraiment très très fort avec des forts pourcentages et la chaleur dans le dos, ça fait vite chauffer les jarrets. Mais franchement, l'ascension se négocie très très bien. C'est vraiment par palier, une ascension très variée avec des passages plutôt roulants, d'autres un peu plus techniques. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Je pense que chacun devrait y trouver son compte. Alors qu'on devine la crête qui maintenant est imminente. Portion nettement moins pentue, beaucoup plus roulante. Vous allez voir, les appuis sont très très souples. Vous allez vraiment pouvoir relancer un petit peu. Pour ceux qui seront en difficulté, je pense qu'ils pourront se refaire un petit peu la santé avant la descente. Donc profitez-en d'un petit palier de récup. Allez, nous voici enfin sur la crête. Jean-Luc termine en tête, maillot pas rouge, meilleur grimpeur de la journée. Bon, moi, comme d'hab, je suis en queue de peloton. Ah, mais franchement, les amis, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à couper le souffle. Admire un petit peu. Tu es en contrebas dans la vallée. Une superbe vue panoramique. Ah, si je jouais pas le chrono, mais profitez-en vraiment pour regarder. Hein. C'est magique. Allez, on regagne la vallée. C'est parti pour une descente dans l'herbe au début. Donc pas mal d'herbes sèches avec quelques petits nids de poules. Méfiez-vous. Et puis on va relancer là le long déjeuner. Allez, c'est parti! Allez, une fois qu'on arrive à Loustalou, ne vous y trompez pas, le chemin il part à gauche, et surtout pas à droite, hein. Ne vous trompez pas, on part à gauche, et on va aller faire la ligne de crête, on devine le sentier sur les hauteurs, voilà un petit peu le menu, et après c'est la descente jusqu'au pont du diable. Allez, les amis, là, gros pourcentage, allez, regardez, je sais pas où on le vit, mais franchement je trouve que ça grimpe. Hein. Ah oui, ça grimpe, ça va aller. Allez, on est presque arrivé sur la crête. Et après, on va rejoindre donc sur la droite le chemin que vous devinez au milieu déjeuner. C'est nettement moins pentu, mais alors là, franchement, ne la jouez pas gros braqué parce que ça pourrait vraiment vous surprendre. Allez, une fois arrivé au rocher, la pente est nettement plus douce. Petit plateau de relance donc au milieu de l'herbe. Puis après, on va continuer le single face à nous sur la droite. Alors là, les amis, vous allez voir. Le single est relativement étroit au milieu de l'herbe. Ne vous inquiétez pas, on va vous débroussailler tout ça pour le jour J. Ce sera nickel. Question balisage et nettoyage, nous sommes très à cheval là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai que là, le single est très très étroit. C'est vraiment un parcours de funambule. Donc travaillez bien ça à l'entraînement. Si vous voulez venir vous tester sur les trois vallées de la chaussée des géants. Allez, ensuite, petit passage. Au milieu des rochers, vous allez être un peu plus à l'abri. Petit coin d'ombre, on en profite pour se rafraîchir. Et voilà le programme.
la même, petit plateau descendant. On va regrimper sur la crête en face, sur une pente relativement plus douce. Et après, bah écoutez, place à la descente en direction du Pont du Diable, la fameuse flamme rouge de ce parcours des Trois Vallées. Allez, je prends le temps un petit peu de vous faire découvrir la région. Tout le monde n'aura pas autre chance de venir courir ici même sur les crêtes. Donc pensons aussi à tout cela, notamment ceux qui sont dans la difficulté, la maladie. Certains aimeraient tant être parmi nous, nous pensons bien à eux. Allez, pourcentage nettement plus raide sur cette portion. Ça grimpe, mais franchement, vu la vue, ça en vaut le détour. Et une fois le petit raidillon franchi, plateau de relance. Donc là, vous allez voir, le single est nettement plus large. Donc plus besoin de croiser les pieds pour galoper. Là, c'est assez roulant, pas trop de pierres. De petits rochers à franchir, mais trop pour rien. Il nous reste plus qu'à donner un bon petit coup de débroussailleuse pour vous faire plaisir. Alors, on continue la progression. Allez, petit faux plat sur les crêtes au milieu déjeuner. Ah, c'est vraiment magique, les amis. Je découvre ça en même temps que vous. Je reste bouche bée. Et comme vous pouvez le constater, nous avons fait 6 bornes au début du trek. Alors, on en profite un petit peu pour vous faire découvrir cette belle vue qui nous attend. Voilà un petit peu, alors là vous avez vraiment tout le décor de ce que nous avons pu faire aujourd'hui, à savoir la ligne de crête face à nous, juste ici. Puis on est redescendu après sur le sentier pour regagner Jaujac. Donc on est remonté ici même. Bref, que du plaisir. Allez, c'est parti pour la descente. Alors là, piste très roulante. Avant de regagner une portion beaucoup plus technique dans les châtaigniers qu'on va vous faire découvrir. Alors, elle dure pas très longtemps la descente, mais ça va nous permettre de couper une bonne portion de piste. Donc, petit raccourci, mais un petit peu technique. Donc, ne vous affolez pas, on va vous montrer tout ça. C'est juste histoire de vous mettre en bouche et surtout vous dire une chose. Travaillez sur vos plateaux de Freeman. Pensez à bien travailler la proprioception. N'oubliez pas de regarder nos vidéos conseils santé, justement proposées par le trail de la Chaussée des Géants, pour vous sensibiliser justement à la proprioception. Donc entraînez-vous bien, aussi bien avec vos pivots chevilles que vos pivots genoux. Travaillez bien tout ça. Allez, on se rejoint un petit peu plus loin. Et on retrouve un homme, mais de qui s'agit-il ? Notre compère Philippe, à son inverse, il vient de se jouer monter. Bon, ben là, les amis, on va redescendre tout en bas. On devine la coulée basaltique sous le village de Tueil. La portion très roulante sur cette piste forestière. Donc, lâchez les chevaux et faites-vous plaisir. Et là, arrivé au carrefour, vous allez pouvoir voir le dernier ravito. Avant la descente, là c'est parti, donc ne montez pas sur la gauche, méfiez-vous, on prend la piste forestière sur la droite et c'est parti. Allez, on y va. Bon, les amis, sur ce petit S, je vais en profiter pour vous faire découvrir un petit peu ce que vous avez pu faire. Donc regardez bien le village de Tueil dans la vallée. Ensuite, vous êtes monté sur la crête juste en face de nous, celle-ci. Puis après, on a longé toute la ligne de crête que l'on devine juste là. Voilà. Pour regagner donc le plateau de Chaumienne. La petite cuvette face à nous, ici même. Vous allez rejoindre donc la vallée de Maille, puis Fonfraide. Et là maintenant, c'est parti. On continue la descente sur la piste. Donc vous verrez, il y a des portions qui sont plutôt roulantes. D'autres un peu plus techniques. Bon, c'est large, donc vous ne risquez rien. Mais méfiez-vous tout de même, il y a des passages avec pas mal de pierres. Donc là, c'est un petit peu slalom garanti. Alors, on se rejoint un petit peu plus bas. Allez, sur la piste, méfiez-vous, ça sera bien indiqué sur votre gauche. Pensez à bien tourner. La fameuse coupe dont je vous parlais, elle est ici, au milieu des châtaigniers. Le but est vraiment de réduire
le kilométrage de piste. Donc la single, sous les armes, par contre méfiez-vous, c'est un sentier qui est assez technique et surtout avec un gros pourcentage. Donc attention aux appuis. La première portion est assez propre. Par contre, il y a pas mal de dévers et surtout de pentes. Et ensuite, petit plateau de relance. Vous allez voir, c'est moins pentu là. Ça passe franchement mieux. Donc profitez-en pour vous ressourcer un petit peu. Car après, c'est reparti. Allez, petit passage sous les arbres. Là, il y a nettement moins de dévers. Le pourcentage reste quand même relativement sympa. Quelques petites marches, donc méfiez-vous. Ça passe bien. Là, il faudra bien suivre le balisage pour pas vous perdre dans les châtaigniers, mais vous inquiétez pas. Il y a Philippe qui va vous faire ça comme un chef. Allez, petit replat au niveau du ruisseau. Donc il est à sec aujourd'hui. Très très sympa là. Et puis c'est reparti dans les châtaigniers. Au milieu des rochers, mais nettement moins de pente sur cette portion. Allez, méfiez-vous quand vous arrivez au niveau du rocher. Il y a une petite marche qui vous attend. Donc attention de ne pas vous louper. Et après, petite relance. Et là, on est quasiment arrivé donc au niveau de la piste du bas. Avant de rejoindre donc Fargevel. Allez, au niveau du réservoir, ne vous trompez pas. On arrive sur la piste. Donc pensez à bien tourner sur votre gauche. Petit passage du ruisseau. Et après, c'est de suite sur la droite. Pour rejoindre donc le hameau de Fargevel. Avant de regagner la flamme rouge des Trois Vallées. Le pont du diable. Allez, chemin très sympa. Le long des failles, vous allez voir, il y a quelques petits passages dans les pierres, mais après c'est quand même nettement plus roulant et surtout beaucoup moins pentu. Donc une descente bien plus roulante que celle que nous venons de faire sous les châtaigniers. Et ça, vous allez voir, c'est comme ça jusqu'au hameau de Fargevel. Et après, ce n'est plus du tout la même histoire, puisque vous allez avoir une forte pente de suite après le hameau. Nous allons vous faire découvrir tout ça. Allez, petit passage très sympa. Vous allez pouvoir bien relancer juste avant le hameau de Fargevel. Là, ça roule très très bien. Donc attention de ne pas chuter sur la droite dans les ronciers. Le risque est minime, mais des fois avec la fatigue, méfiez-vous quand même. Et voilà, on arrive donc au hameau de Fargevel. Je retrouve les collègues. Donc à gauche, ce sera l'arrivée du parcours de Rancaillot. Et quant à vous, vous allez tourner sur la droite, donc à côté des ruines. Méfiez-vous, première portion très très technique, surtout pas mal de pentes. Ça glisse un petit peu, attention mon Lulu. Donc là vous allez voir, ça fait quelques petits S sous les châtaigniers, très très sympa, mais fort dénivelé. Just a bit of the show, I jump out.